Effectivement, elle était en live avec eux, avec Gabano et Nathalie, machin. Et en fait, moi, elle m'envoyait des messages en mode, elle m'envoyait des messages privés en mode, moi, je t'aime bien, tu sais, moi, je suis une mamie, je suis grand-mère, bref, moi, j'aimerais bien te connaître, nanani, nanana. Sauf que moi, j'ai répondu, je dis, bah, écoute, voilà, sans rancune, mais bon, voilà, t'as vu, on n'ira pas pour une chance ensemble non plus, quoi, t'as compris. Et le truc, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, un coup, voilà, elle avait mal parlé. Et qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a, bah, comme tu dis, en fait, elle avait republié, c'est ça qu'elle avait fait, elle avait republié des trucs pour gagner de la thune, en gros, sur Ah notre oui. chaîne. Et elle m'a envoyé des messages privés en me disant, go republier ta vidéo pour faire 1 000 euros sur ta gueule, en gros. Voilà, ben moi elle me l'a dit ouvertement, moi. Et Elle me l'a dit moi, ouvertement. j'ai screené ce qu'elle m'a envoyé. Donc en fait, Linda, du coup, ce qu'elle avait fait, donc, c'est qu'elle m'avait du coup agressé, enfin harcelé par message. Elle n'arrêtait pas de me spammer sur Insta et sur TikTok. Donc j'avais déjà bloqué sur Insta. Après, j'ai dû la rebloquer sur TikTok. Et carrément, en fait, quand elle a vu qu'elle m'agressait, et puis le truc, les trucs en mode, ouais, je vais faire 1 000 balles sur ta gueule en rediff, machin, comme tu disais, Fred, qu'elle faisait avec, qu'elle avait fait Elle avec a dit ça. Voilà. Elle t'a dit Oui, ça. moi, elle me l'a dit. Moi, elle me l'a dit, je l'ai dans les messages. Moi aussi. Mais écoute, j'ai pas compris. Écoute, écoutez, justement, je l'ai repartagé. Donc, moi, j'ai screené les messages sur TikTok, je les ai repartagés. Et après, donc c'est après ça que je l'ai bloqué. Après, elle m'a réécrit en me disant, oui, c'est du partage. Je l'ai poucave, l'autre. En gros, tu sais, elle m'a envoyé des messages sur TikTok pourri. Je les ai partagés en story Insta. Elle a commencé à m'engrainer en mode, ouais, je vais porter plainte, t'as pas le droit, machin, c'est des contenus privés. Je dis, non, 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 il n'y a rien de privé. Sur les réseaux sociaux, tout est libre de droit, je le sais. Hein, parce que je me souviens de toutes les presses qui ont partagé tout ce que je disais sur les réseaux sociaux. Tout est libre de droit. Et en fait, elle avait le seum parce que j'ai partagé le fait qu'elle disait qu'elle allait se faire 1 000 $ sur ma gueule en rediffusant bah, mes contenus. Moi. Et voilà. Et puis du coup, après moi, après ça, je l'ai bloqué parce que la meuf, elle m'harcelait, demande à Alex. Ah, elle harcelait, tu te rappelles? L'autre avec la tête de sorcière là. Tu te souviens ou pas? Ah Ouais, c'est tombé, elle. non. Elle nous faisait du shit, celle-là. C'était folle, là. Mais regarde, c'était la première quand elle a été chez Samzira, tu as vu? C'était la première à chialer parce que en plus la meuf, elle y va de son plein gré, elle fait une interview. Quand tu vas Oui, chez elle, j'ai quand tu vu. vas, bon lui c'est un Mais après, il faut bien pseudo-journal, qu'il la je ne sais sorte. pas comment on Oui, peut ben appeler oui. ça, c'est un. Voilà, Oui. elle va faire une interview. Quand tu vas faire ce genre d'interview, tu sais très bien que le mec, bien sûr, tu vas la diffuser l'interview. C'est le deal, c'est le but Bah du jeu. oui. Oui, Elle s'est bah oui, mise à surtout quand chialer, c'est elle la se met à somme de pignon. chialer, à faire un scandale parce qu'il a diffusé l'interview. Par contre, elle se permet de te prendre des petits morceaux de tes likes, de ce. Non mais attends, mais c'est quoi ces gens? Moi je suis pas. Effectivement, elle est en